Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they help me in my sleepless nights. And I'm running in the noise like a free fall. Allez, bonjour tout le monde, c'est Brom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Nous sommes le 1er avril. Nous sommes le 1er avril d'ailleurs. Bon 1er avril. N'importe quoi. Bref, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo sur les 10 plus beaux modes du mois sur Farming Simulator 2019. J'avais pas trop d'idées pour la vidéo du jour et je me suis dit 10 plus beaux modes, je pense que ça peut être vraiment cool. Et donc on va commencer tout simplement avec deux modes ici que vous pouvez voir directement devant moi. Il y a le Fendt 820 qui est sorti cette semaine qui est sorti. Il est vraiment très 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 beau avec cette presse Krone Big X, Big Pack, voilà, moderne, plus moderne que les autres, hein, qui est vraiment très 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 bien modélisé. Exactement, aussi il y a l'extincteur, il y a tout ça, la modélisation est très très belle. On va tester tout ça et le petit tracteur bien évidemment aussi magnifique, le petit 820 qui a un son magnifique. Je vous laisse écouter tout ça, écoutez bien. Voilà, il a un vrai son de Fendt 800 de cette génération là parce que c'est vrai qu'il y a des fois où ben voilà, c'est vrai que des fois ben c'est pas trop ça au niveau des bruits des tracteurs Fendt qu'il y a dans le jeu, étant donné que moi je travaille, enfin je suis un apprenti chez Fendt, et ben je sais un petit peu près les sons quand même, et d'habitude ça ressemble pas vraiment à ça, et là vraiment le bruit c'est vraiment celui-là quoi, c'est vraiment, enfin ça ressemble très très fort. Il y a quelque chose de très bien, c'est qu'avec N vous pouvez baisser ou lever vos gyrophares, avec X vous pouvez mettre les petits panneaux, voilà, les petits panneaux LED, hein, les déplier tout simplement, transatlantique, hop, on fait ça, et avec les molettes de souris, hein, vous connaissez, on peut ouvrir, ben, voilà, les fenêtres, les portes, etc. Ça, c'est comme sur les autres. Hop, petite Krone, et cette petite presse Krone Big Pack, voilà, de chez Krone, moderne et tout, vraiment trop stylé, on va la mettre en route. Écoutez le bruit de ce tracteur, trop bien, tout est animé, ça, c'est vraiment trop génial. Dans le sens où voilà, il y a le cardan qui est animé là, il y a l'animation à l'intérieur aussi, voilà, on peut voir ici, il y a l'animation par le dessus, enfin voilà, vraiment, il y a les courroies là qui tournent, vraiment tout est animé et je trouve ça vraiment trop stylé et ça change un petit peu des presses qu'on connaît, habituellement, parce que c'est vrai qu'on a souvent des presses, les anciennes Krone, hein, les petites Krone à balles carrées, mais les anciennes, et je trouve que celles-ci sont beaucoup plus sympas. Et du coup, voilà. Prochain mode, les amis, ben voilà, c'est ce man qui est sorti de Black Sheep Modding durant ce mois-ci. Alors, donc les petits gyrophares, tout va bien à l'intérieur aussi, qui est plutôt bien fait, hein, voilà. Quand on met les gyrophares, ça s'allume. Quand on met les phares, ça s'allume. Les trois phares, ça s'allume. Quand on met les clignotants, pareil. Et quand il n'y a plus d'essence, je pense que ça doit s'allumer aussi. Et tout est animé. Et ça, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, vraiment un très beau mode aussi. Que je trouve très stylé. Donc, voili, voilou. Hop, on va le laisser là, lui. Voilà, quatrième mode et cinquième mode, c'est tout simplement ce Kasiach International 1455, le dernier modèle qui est sorti, enfin la dernière version qui est sortie, ainsi que cette Ben Deaton Lambert.
qui est sorti, faite par Stéphane Modding pour la Ben et le Caz, je ne sais pas. Bref, petit Caz 1455, vraiment très 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 joli. Lycée, voilà, donc ça c'est cool, hein, on peut ouvrir les petites fenêtres, on peut ouvrir les portes aussi. Donc ce qui est plutôt cool, ouvrir la fenêtre arrière, je suppose, oui, et ouvrir la fenêtre au-dessus. Voilà, enfin le toit. Du coup, ce qui est plutôt sympathique, on peut faire plusieurs modifications. On va mettre les gyrophares quand même. On peut mettre plusieurs modifications. Le chargeur avant qui est compliqué, qui est assez ancien. Le pot d'échappement qui est aussi modifiable, ainsi que la prise d'air. Bref, quelques modifications que je vous montrerai juste après quand on ira été vendre. Voilà les amis, pour continuer un petit peu dans le style des moissons, on a tout simplement cette classe Lexion 500 qui est juste magnifique. Voilà, c'est pour moi la plus belle moissonneuse qui est sortie durant ce mois de mars. Elle est vraiment trop trop belle. Classe Lexion, on peut choisir du coup le numéro de la moissonneuse si on le veut, mettre le petit logo aggravi si on veut, changer le moteur bien évidemment. Et voilà, je trouve qu'elle est très jolie, ça change des Lexion 700, hein, rien que la trémie, etc. Ça change, ça fait du bien. Intérieur, très bien fait aussi, animé, tout le bordel, bien évidemment. Et voilà, moi j'ai rien à dire sur cette moissonneuse, elle est vraiment trop 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 belle. Mode suivant les amis, c'est cette Ben Josquin qui est sortie aussi hier ou avant-hier, qui est juste très 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 belle, très bien modélisée bien évidemment, comme d'habitude, hein, les Ben Josquin en général, elles sont toujours très bien modélisées, beau travail. On va aller voir un petit peu comment elle se vide, etc., si l'animation est bien faite. C'est la Transpace 650 par 22, voilà, deux essieux, vraiment très 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 stylé. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider... Je sais pas, on va aller vider Bakerei aussi à mon avis. J'ai pas accès au terrain bien évidemment étant donné que je l'ai pas acheté. Hop, voilà, petite animation propre hein, comme d'habitude. Hein. On connaît, mais voilà, ce qui est bien sur cette benne, c'est vraiment tous les flexibles qui ont été faits. Voilà, le moindre flexible a été fait correctement avec toutes les boules d'azote et les trucs. Tout est indépendant et je trouve que franchement elle mérite le coup d'œil et elle mérite qu'on la télécharge parce que ben voilà, des Josquin ça fait toujours plaisir. Messieurs, dames, nous sommes déjà à l'antipénultième mode, l'avant-avant-dernier mode, mesdames et messieurs, c'est tout simplement ce pack AP de... Tout simplement, hein, ce pack AP de remorques alisier, voilà, de tonnes alisier. Qui sont juste magnifiques. J'ai pris la 3 essieux cette fois-ci. On avait pris la 2 essieux durant le live ici. La 3 essieux, elle est trop belle. Voilà, cette mode, les flexibles sont aussi tous reliés. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont tous reliés. C'est trop, trop, trop stylé. On peut mettre, ben, on peut accrocher plusieurs types d'épandages. Hein, l'épandage comme celui-ci. Ou alors l'épandage avec les rouleaux. Voilà, on peut choisir un petit peu lequel on veut prendre. Les essieux sont directeurs. On peut changer la configuration des roues. Voilà, 3 types de bennes. Et c'est juste trop trop bien. Je l'ai accroché avec un gros classe Action 660, un truc que j'utilise plus. Étant donné qu'en général je fais beaucoup de multi et que je tiens pas le DLC, et bien forcément on joue sans classe. Mais voilà, vraiment trop trop beau. On va déplier, on va passer un petit coup d'engrais. Voilà, un petit coup de lisier, on va passer. Vous pouvez voir l'animation qui se fait proprement, bien évidemment. Tout fonctionne nickel. Hop, on met en route. On abaisse. On abaisse. Et ben c'est parti, ça épand de l'engrais. Et ben voilà, vous allez voir que les roues sont directrices. Quand je vais tourner juste là derrière, enfin juste là au fond, je vais tourner.
Et voilà, je trouve que c'est vraiment trop un beau pack. Super efficace dans le sens où ben voilà, il n'y a pas de bug, ça fonctionne nickel. Il y a plusieurs types, c'est beau parce que ça change de d'habitude. Les roues, ça change de d'habitude. Il y a beaucoup de détails aussi. Et voilà, je trouve que c'est vraiment super joli. Mais en général, les packs de Tonalizzi en ce moment qui sortent sur Farming sont super belles avec énormément de détails. Et c'est ça que je trouve trop génial dans ce jeu actuellement. C'est que ben voilà, il y a vraiment beaucoup d'améliorations qui se font et c'est ça qui est trop bien. Nous voilà rendus pour l'avant-dernier mode, c'est tout simplement cet épandeur à engrais, à fumier Bergman qui est sorti, où on peut tout simplement, ben voilà, on peut hop, ouvrir la trappe sur le côté, ce qui fait plus facile, ce qui fait plus de réalisme. Voilà, c'est quelque chose en plus, hein, ça rajoute un petit truc. Et voilà, je trouve que mine de rien, mis à part ça, l'hydraulique, les flexibles sont super bien, les textures sont vraiment bien faites. L'épandage est propre, donc voilà, j'ai rien à dire. C'est un très beau mode Bergman, un très bel épandeur qui fait vraiment le travail, je trouve, et que moi je trouve très sympa. Je vais l'utiliser dans plusieurs de mes séries, dans les séries multijoueurs comme dans les séries solo, je pense, quand je m'améliorerai, etc. Enfin voilà, vous verrez un petit peu parce qu'il y a beaucoup de projets pour la chaîne. Vous verrez toutes des nouvelles séries et tout ça, mais pour l'instant, voilà, c'est un très beau mode que je vous conseille fortement de télécharger ce Bergman parce que ben, je trouve que ça fait le travail et que c'est un mode vraiment propre. Vraiment propre, bien fait, donc voilà, téléchargez-le. Tout sera sur mon site internet comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà. Hop, et j'avais déjà fait un petit tour pour tester si tout allait bien. Mais tout va nickel. Nickel. Donc voilà, hop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite vue, voilà, par là. Je trouve qu'une vue comme ça, c'est stylé. Je trouve qu'on voit très bien un petit peu l'épandage, etc. Je trouve que c'est vraiment bien. Vous voyez que le mode est très beau. Voilà. Bref, hop, on fait cette petite ligne. Et on se retrouve tout de suite pour le dernier mode. Le dernier mode, les amis, c'est tout simplement ce plateau d'Angreville. Je ne pouvais pas finir cette catégorie, cet épisode où je présente les 10 plus beaux modes farming sans ce plateau qui est juste magnifique. Voilà, on peut hop, lever, descendre le truc, mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. On peut bien évidemment mettre les élargisseurs. Voilà, plutôt sympathique. On peut faire X pour mettre le pied et ensuite tac. On fait ça, voilà, on peut ouvrir, on peut mettre deux petits trucs. Je trouve que c'était sympa, je trouvais ça plutôt stylé de mettre deux petits manutou là, deux manutou. Je trouvais ça plutôt drôle et je trouvais que ça donnait quelque chose de très joli. Et du coup, voilà, on est parti. Hop, je sais pas si j'avais fait le screen hier de celui-là, sinon, tac, voilà. Hop, on est parti, les essieux qui sont directeurs du coup. À l'arrière, le dernier, voilà, qui est directeur, qui est vraiment stylé. On va mettre les petits gyrophares, ils sont sur les côtés, voilà, vous les voyez. Ils sont, allez, hein, ces connexions là. Ils sont sur les côtés, il y en a deux qui sont sur les côtés, vraiment stylés aussi également. Et voilà, j'ai rien à dire, juste un très beau mode également, un très beau plateau qui fait vraiment le travail. Et voilà, pour transporter ces véhicules, c'est vraiment super génial parce que ça peut transporter
par un tracteur. Et ça, c'est cool. Et c'est rare qu'il y ait des plateaux aussi beaux où on peut transporter par des tracteurs, enfin où on peut tirer avec un tracteur dans Farming. Voilà, donc je trouvais que ça méritait d'être vu. Et voilà, très 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 beau mode. Beaucoup de détails aussi. Donc voilà, juste magnifique. Hop, on va le mettre sur le côté. Et voilà, on est sur la map Interkefect. Voilà, si vous connaissez pas la map, j'ai déjà fait des présentations dessus. Voilà, je vais pas. Je ne vais pas encore la présenter, cette petite map, parce que normalement tout le monde doit la connaître, hein, parce qu'elle est juste hyper connue maintenant, je pense, parce qu'elle est juste magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les plans de vue que j'aurai fait vous auront plu, que le style vous plaît. Voilà, c'est un style un petit peu qui change, je vais pas faire ça tout le temps, c'est juste que j'avais pas non plus de séries en cours et que j'avais pas trop d'idées, étant donné que mes séries ne sont pas toutes prêtes. Mais voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, vous êtes plus de 2500 sur la chaîne, c'est génial, merci à tous. Il faut savoir que cette vidéo, je l'ai tournée ce matin, et qu'on est normalement, il est 16h30 quand la vidéo sort. Voilà, merci Juti, hein. Et voilà, je vous dis, aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à très bientôt les amis, c'était Borom, à plus tout le monde, plus, ciao ciao.